Bonjour. Aujourd'hui, nous allons apprendre à compléter un nombre pour aller jusque 10. En connaissant les compléments à 10, le calcul mental sera plus facile et plus rapide. On les utilise dans beaucoup de situations quotidiennes, comme par exemple au magasin lorsque l'on rend la monnaie pour calculer un âge et bien d'autres situations. Mais au fait, c'est quoi un complément à 10 ? C'est le nombre que tu dois ajouter à un autre pour aller à la dizaine supérieure. Par exemple, en partant de 6, de combien as-tu besoin pour aller jusqu'à 10 ? Eh oui, tu as besoin de 4 pour aller jusqu'à 10. 4 est donc le complément à 10 de 6. Pour automatiser tes calculs et aller le plus vite possible, je te conseille de les connaître par cœur. Ainsi, 1 est le complément à 10 de 9 et inversement, 2 est le complément à 10 de 8 et inversement, 3 complète 7, 4 complète 6 et 5 complète 5. Mais que faire si je n'arrive pas à les mémoriser ? Pas de panique, pour cela, je peux utiliser les doigts de mes deux mains. En effet, sur mes deux mains, j'ai 10 doigts. Donc, quand je cherche le complément à 10 de 6, je lève 6 doigts et je compte le nombre de doigts couchés. 6 doigts levés, cela me donne 4 doigts qui sont restés couchés. 4 et 6 sont complémentaires à 10. En résumé, je dois connaître par cœur les compléments à 10 pour aller plus vite dans mes calculs. Si je n'y arrive pas de panique, je peux utiliser mes doigts. Voilà, tu sais ce que sont les compléments à 10 et comment les retrouver. À bientôt! Created using Powtoon.